Jamais, sans mon talent inné, et mon talent jamais, sans mon talent. Miser sur les talons. Bip-moi si tu veux. Yo les gars, c'est le dieu de la guerre qui vous parle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon, comme vous pouvez le voir au gameplay, aujourd'hui, on va jouer avec une équipe skill. Parce que ces mecs-là, ils ont du sang brésilien dans les veines. En haut, D'Alessandro, 5 étoiles gestes techniques. Bas, Moussoufa, 5 étoiles gestes techniques. À droite, Fernandez, 5 étoiles gestes techniques. En haut, Lisandro Lopez, 4 étoiles gestes techniques. En haut, à droite, Zarate, 4 étoiles gestes techniques aussi. Et respire le, la technicité. Ah mon gars. Non, je vais pas vous mentir, j'ai fait l'équipe d'Amslow parce que franchement, j'ai regardé la vidéo de mon boy Kalash. Et il a mis un but, hein. Oh là 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 là. Oh loulou. Oh loulou. Est-ce que là, il faut appeler ça Daron, là? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Non. Non, non. Ça, c'est pour les 6000, ça, qui arrive. Non, ça fait trop mal. Oh là là, Ronaldo, j'étais pas prêt. Même moi, j'étais pas prêt de la frappe. Il est trop chaud. Non, il était lourd. Franchement, il m'a donné envie de skiller. En plus, j'ai vu qu'Amslo il avait fait son concept où il sortait des équipes skill pour des certains budgets. Et Lisandro Lopez, si on l'achète pas en version boost, il vaut 400 crédits. Donc, vas-y, je me suis dit, nique sa mère, on va faire l'équipe. Voilà. En plus, en ce moment, je me fais vraiment beauté en ligne. Et jusqu'à même mes potes, ils me respectent plus. La dernière fois, j'étais en train de parler à un pote. Alors dédicace à toi Coco si tu vois cette vidéo. Et je fais waouh, dinguerie, j'ai 700 abonnés sur YouTube, c'est monté vite et tout, je suis trop content. Et il me fait ouais mais tu te fais taper 4-1 sur FIFA. Oh, comment je dois le prendre? Non je sais pas, peut-être. Peut-être tu es une merde, peut-être c'est ça. Donc je sais pas, on va aller voir. En tout cas cette équipe vraiment c'est un pur régal. On est là pour s'amuser avec cette équipe. On dribble, on s'en bat les couilles du score, on fait notre truc, puis nique sa mère et on part en match. Une équipe chelou, mais stylée quand même. Avec du buteur irlandais. Non, c'est les boys d'hybride, mais j'aime pas jouer contre ce genre de joueurs. Toi, tu crois que c'est une équipe de merde. Mais s'il a fait des liens, du collectif et tout, ça veut dire le mec qui sait jouer. Ça veut dire c'est chelou. Parce que s'il sait jouer, ça veut dire qu'il va casser les couilles. Ça veut dire qu'il va savoir défendre. Donc, moi, mes skills, ils vont pas passer. Donc, c'est nul. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé, Lisandro. C'est pas ce que je t'ai demandé, mais marque quand même. Tu t'en bats les couilles. C'est pas ce que je lui avais demandé. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, 1-0. Enfin, le problème avec ces joueurs, c'est qu'ils sont tellement spectaculaires, mais ils ont pas de physique. Donc, en gros, ces joueurs-là, t'as une vie. Dès qu'ils sont touchés, c'est fini. L'action, elle se termine direct. Putain, ça reste un... C'est un défenseur protecteur de la porte et tout. T'as vu comment il s'est fait passer? Le mec, il a rien lâché. Hein. First, let me hop out the motherfucking horse. I don't wanna allume-moi ça. Je t'ai dit, mec, Neto, c'est le mec de l'équipe qui sait pas ce qu'il est. Il sait pas ce qu'il est. Il est juste physique, tu vois. C'est juste le mec imposant de l'équipe. Donc, quand je l'ai, j'allume, mon gars. J'allume. Tu vois, bombarde, frère. En plus, j'ai mis l'écusson du Brésil, tu vois. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oh loulou! Expéditif, ma gueule. C'était expéditif. On n'aurait même pas eu le temps de jouer un petit peu. Il est déjà parti. On va pas gâcher la fête, franchement. On va pas partir sur un deuxième match. Après, je vais prendre le risque de me faire frapper. Vous allez encore dire bla 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 en commentaire. Voici, c'est là. C'était le dieu de la guerre. J'espère que vous avez kiffé la vidéo cette fois-ci. Même si c'était contre un adversaire un peu moins fort, mais s'il avait des joueurs comme ça, c'est qu'il savait jouer. Et de toute façon, même moi, j'étais là pour la rigolade, tout ça. Je sais, j'ai pas trop fait la masse de skills, mais bon, on n'a pas donné l'occasion. On est à la 36e minute, Irachid. Lâche ton like. Peace.